υποκοιμείται. Applaudissez-vous très fort. Alors ce soir, nous avons une action solidaire de soutien et d'information pour la cause de la drépanocytose. Nous avons avec nous Monsieur le maire qui nous accompagne dès le début de ce combat en Guadeloupe. Et je vous demande de l'applaudir très fort. Et depuis que Madame Jenny Hippocrate a fait le lancement au pavillon le 26 septembre, eh bien, Pointe-à-Pitre a offert ses meilleures places pour que nous puissions faire entendre la voix de ceux qui disent qu'on doit tous donner un peu de nous-mêmes, un peu de cœur, un peu d'attention, un peu d'argent aussi, de toute forme de soutien pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui soutienne cette lutte pour lutter, prévenir cette maladie. Et ce soir, Pointe-à-Pitre, une fois de plus, reçoit la PIPB, l'Association pour la prévention et l'information sur cette maladie de la drépanocytose. Depuis quelques jours, Pointe-à-Pitre reçoit en différentes places de la ville ces soldats, je les appelle des soldats, toutes ces personnes qui sont mobilisées autour de Madame Jenny Hippocrate afin de porter l'information, mobiliser les forces vives, collecter des fonds afin que nous puissions faire front, faire face à cette maladie que certains croient être une maladie de noir, mais c'est une maladie universelle. Et donc la Guadeloupe porte sa contribution. Nous sommes à l'avant-garde parce que de nombreux des nôtres sont affectés. Donc ce soir, ce Les Roses, appelé DREP Les Roses, a pour but de mobiliser par la culture, par la musique. Nous savons la capacité mobilisatrice de la musique Goka. Des musiciens locaux ont accepté de jouer ce soir gracieusement afin de mobiliser le plus grand nombre sur cette belle place de la Victoire. Le lieu mythique où les Guadeloupéens viennent exprimer leur joie, leur peine, leur souffrance et leurs revendications. Donc ce soir, nous sommes en ce lieu mythique afin de dire à tous les Guadeloupéens, à tous les visiteurs, ne passez pas sans nous prêter attention car cette cause nous concerne tous. Et danse traditionnelle. Alors, c'est la sensibilisation à travers le quart et à travers la musique traditionnelle. Thank you.
Mais comment c'est Pointe-à-Pitre? C'est la ville commerciale, c'est la place de la Victoire, a une très longue histoire. Il y a le bon, il y a le mauvais, il y a la revendication, mais aussi il y a les luttes et toutes sortes de luttes. Et pour nous, c'est vraiment le moment, le lieu exact qui rassemble la Grande Terre et la Basse Terre pour se retrouver tous ensemble. Quand je regarde autour de moi, ça me fait extrêmement plaisir parce qu'il y a du monde partout en train d'écouter le message. Elle ne peut même pas rigoler. Elle atterrit à l'hôpital et que la seule chose qui pouvait la soulager, ce sont des glaçons. Eh bien, assurez-vous que ma soeur, quand elle était malade, c'était des bassines de glaçons qu'elle mangeait, mais matin, midi et soir. Les médecins nous ont dit qu'elle ne va pas atteindre l'âge de 18 ans. Tout le parcours a été qu'à chaque fois qu'elle tombait malade, même si je n'étais pas à côté d'elle, deux jours après, je me retrouvais à l'hôpital, là où elle était, et la seule chose qu'elle me demandait de faire, « s'il te plaît, frottez d'eau au moins, bon moins, massez d'eau au moins, bon moins, massez pieds au moins, bon moins, mais non, à part là, massez pas, mais non, à part là, bon moins glace, bon moins glace, bon moins glace. » Là où ça a été le plus difficile, où elle a eu la grosse crise même, c'est quand ma mère adoptive m'a appelé pour me dire, elle est rentrée à l'hôpital. Et ma mère me dit, arme-toi de courage, parce qu'on pense que c'est le dernier moment. Je suis arrivée à l'hôpital, j'ai trouvé ma soeur, je ne l'ai pas reconnue. Déjà, j'avais l'impression qu'on avait pris tout son sang, qu'on l'avait vidé de son sang. Elle était tellement blanche. Et mesdames et messieurs, la dernière crise qu'elle a faite, la crise a été tellement énorme, le mal était tellement fort que ma soeur, avec ses dents d'en haut, elle s'est démontée les lèvres d'en bas. Elle m'a tenu la main et elle m'a dit, je pense que c'est fini. Elle-même, elle m'a dit, je n'en peux plus. C'est fini. Écoutez, comme beaucoup de personnes, hein, on entendait parler de la PIPD, Madame Jenny Hippocrate, tout le monde connaît. Mais j'ai une cousine qui a un fils DREPA et qui fait partie de l'association à Paris. Et donc, c'est elle qui m'a mis en relation avec Madame Nollet. Nous avons donc commencé à parler au téléphone du projet. Puis je devais me rendre à Paris fin juillet. J'ai profité donc pour la rencontrer et nous avons commencé à travailler sur le projet. À mon retour, j'ai vu avec l'équipe qui s'occupe de l'équipe de la cohésion sociale à Pointe-à-Pitre, dont je suis la déléguée. Et là, nous avons vraiment commencé à voir un peu la lumière de cette belle opération. Et puis nous avons, en tout cas, nous sommes heureux d'être partenaires avec l'association la PIPD. Nous sommes vraiment, la ville de Pointe-à-Pitre est heureuse d'accompagner cette belle cause, cette noble cause et cette cause qui intéresse tout un chacun. Et c'est vraiment, dès que j'ai présenté à monsieur le maire ce projet, il m'a dit, banco Cécile, vas-y, nous les accompagnons. Alors comme je l'ai dit, vu la situation économique de Pointe-à-Pitre, c'est, nous ne pourrons pas le faire financièrement, je lui ai dit, mais toute la partie logistique, nous nous engageons dessus et c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous allons continuer à faire du 16 au 20, marché aux épices, qu'on appelle le marché Saint-Antoine aussi. Mais aussi, je vais les accompagner aussi dans les écoles pour les formations. Je vais les accompagner jusqu'au bout parce que c'est une très belle cause et je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, puisque les malades n'ont plus assez de force pour crier, à nous de crier à leur place, à nous de faire du bruit et à nous de faire entendre leur voix pour faire avancer la recherche, pour pouvoir soulager ces malades et soulager aussi les personnes qui les accompagnent, leurs parents, la famille, les amis. Que yo, un poco.
Ça fait très longtemps, j'étais même pas encore chargée de mission quand je l'ai connue, que je ne connaissais pas quand j'habitais Guadeloupe, comme l'équipe de la municipalité. Et je suis extrêmement heureuse. Quand on dit la PIPD, c'est une histoire de famille, je dis oui, et vous êtes tous les bienvenus. Mon engagement, c'est un engagement de militant, puisque je milite pour mon pays. Et comme je le dis, tant qu'on peut aider à grimper le mur, pour te porter sa pierre à l'édifice, je le ferai. Il est important que comme on dit chez nous, c'est on met à la vélote et des mains pour laver, on figuille. Nous ne sommes à l'abri de rien du tout. Cette maladie prend place. Aujourd'hui, c'est une partie de la population. Maintenant, on ne sait pas qui est qui, comme on dit, qui est parti. Donc, il est important que déjà de s'informer. Et puis, bon, la PIPD, c'est une longue histoire. Je suis aussi parrain de Dripano Dubout. Et il faut le faire. Ce soir encore, c'est une opération que l'on fait. Il y en aura d'autres. Et tant qu'ils feront appel à moi, je serai présent tant que je pourrai aider, parce qu'il faut aider. Puisque dans cette situation que se trouve le pays, nous n'avons le droit de laisser aucun de nos enfants au bord de la rue. Nous avons besoin de nos enfants. Soirée gros cas traditionnelle, tout ce qu'il faut qu'on sert, il y a toujours quelque chose à faire pour aider et pour ramener et pour faire que les choses avancent. Un tout petit pas peut-être pour nous, mais un grand pas vers quelque chose. Et puis ce que je dis et je répète, surtout, informez-vous, venez. Peut-être que chez vous, vous avez des enfants qui ont des gènes de drépanocytose, ils ne savent pas. Testez-vous, faites des choses et puis surtout intéressez-vous à ce qui se passe. Et que tu aies ton parcours aussi à nous raconter. Alors fais-nous vivre ça avec toi. Je suis drépanocyté. Hein. Je sais que certaines personnes qui sont dans la foule ne savaient pas que j'étais malade. Certains le savent. Je ne suis pas une personne où je vais crier sous le toit, voilà, que je suis malade. Le caractère, voilà, tout ce que j'ai reçu, j'ai grandi dans le quartier du Carinage. À l'époque, ce n'était pas facile. Et je suis d'une fratrie de 4 enfants. Ce n'était pas facile pour ma mère, alors bon. J'ai grandi avec ma maladie dans un quartier, il fallait quand même être fort, même si la maladie était là. Et j'ai vu quand j'avais des douleurs, comment ma mère était. Alors j'ai été le plus possible. Je ne voulais pas me plaindre sur mon sort, mais quand même j'ai grandi, j'ai fait ma scolarité difficilement, surtout au niveau à l'école élémentaire. Au collège, ça a été plus ou moins. Au lycée, j'ai eu une difficulté à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, j'avais une problématique au niveau de ma prothèse à la hanche. J'ai dû béquiller pendant 2 ans. Comme j'étais trop jeune, l'orthopédiste ne voulait pas m'opérer. Et puis, lorsque j'ai eu 18 ans, finalement, je suis parti en métropole. J'ai eu une prothèse totale de la hanche depuis l'âge de 18 ans. Et puis, j'ai continué mes études, je suis allé à Fouillol, je suis allé au Canada, je fais 4 ans au Canada, et je voulais me prouver certaines choses aussi. Parce que ma mère ne voulait, ma mère, c'est normal, c'est une mère, elle me couvrait beaucoup. Parce que vu la pathologie, la maladie, vu la difficulté de la maladie, elle a voulu beaucoup me protéger. Mais moi, j'ai bravé les interdits. Et je suis parti au Canada, j'ai rassemblé tous mes sous. Je suis parti au Canada, j'ai fait mes études à l'UQAM. Je suis parti, je suis resté 4 ans, je travaille là-bas également. Je suis retourné. Et en revenant, j'ai un ami qui est là. Il a fait ses études à Cuba, il a fait 6 ans à Cuba. Et je ne veux pas, je lui ai dit, bon, eh ben moi je repars, je vais à Cuba. C'était juste pour. Mais finalement, j'ai trouvé du boulot ici en Guadeloupe. Je suis resté. Et puis je vis ma vie. Les difficultés que j'ai eues, plus que. J'ai un cousin qui a un an de moins que moi. Je me rappelle petit, la difficulté que j'avais, en fait, c'est que de voir que lorsqu'on est à la mer ou à la rivière, voilà, lui, il trempait dans l'eau, et moi, me disait de rester sur le sable ou sur le rocher, tranquillement. Et je voyais tout le monde prendre son bain, et puis moi, j'étais toujours celui-là. Et malgré ça, des fois, je filtrais, et j'allais dans l'eau. Et malheureusement, le soir, je me retrouvais au CHU, aux urgences. Et à chaque fois que j'allais à la mer, à la rivière, parce que je ne savais pas à l'époque gérer ces situations-là,
je me retrouvais souvent au CHU. Et je restais au moins une bonne semaine au CHU, au 8e étage. Mais ce sont des bonnes expériences qui m'ont fait progresser dans ma maladie, parce qu'en fait, j'ai connu mes limites. Alors, on peut imaginer qu'il y a au moins 10 ans de tambouillé qu'il a, tambouillé avec un dallo. N'est-ce pas? Vous êtes prêts? Nous allons faire un petit roulement. Esther, Evelyne, je ne veux pas vous entendre arrêter. Continuez, s'il vous plaît. Philippe. Maggie. Maxence. Encore plus fort, là. Maxence. Kitty. Cara. Encore plus fort ici. Gérard. Olivier. Esline. Marlène. Merci, vraiment un tonnerre d'applaudissements. Ce n'est qu'une première marche. Et cette marche-là, il faut nous monter, si tu as pied haut. Et tu es bien meilleur, tout ça est arrivé. Applaudissez-les encore. Nous demandons au groupe MKMK de Trois-Rivières. Critiquer et mépriser, c'est comme ça je viens. Je ne peux pas même connaître. Qui aimait, et ces autres qui l'église qu'a prié pour Dieu, ces autres qui t'ai qu'a dit, moi tombé en péché élevé, ces autres qui t'ai qu'a raconté, avec ça moi crété en place, celle bitin je pas savais, qui n'a mon Dieu qu'a guidé moi, avant mal parler et critiquer. Mandez-moi qu'à qui passe. Okay.
musique de chez nous. C'est la musique traditionnelle. Qu'est-ce qu'on pourrait présenter d'autre? Il faut savoir qu'on aura aussi le zouk. Alors le zouk, ce sera à la Casa pour la finale. Et ce soir, nous avons le Goka. L'année prochaine, nous avons aussi prévu le gospel. C'était prévu cette année, mais Philippe a tout changé. Alors du coup, aujourd'hui, c'était le gospel qu'on devait avoir. Mais comme on n'a pas pu y avoir il y a 15 jours le Goka, alors ça a été reporté pour l'année prochaine. Thank you.